Salut tout le monde! C'est KevOcelain3.0 pour une toute nouvelle vidéo. Je vais vous montrer ce que je vais vendre à Pixoday derrière moi le samedi 22 avril. Et comme ça, je serai visiteur en tant que à Pixoday le dimanche 23 avril. Tout d'abord, dédicace à Indy Jeux, Louis le Petit Belge, Ludovic Nard, la fée de Roblox, Les Oubliés du cinéma d'horreur, la cape des geeks, Yas Gaming, la groupe Deep, AX Gaming, sa copine Fanny, Airwalk. Désolé si j'ai été le dimanche à troisième légende, même si on s'est pas croisé. Je fais même une dédicace à Monsieur Bagarre, El Camino. Et aussi nous avons Retro Gaming à Arrache, Pika 91 ou 91 si vous voulez pour les Français. Je fais même une dédicace à mes collègues Robert, Aïssol, Vincent, Topga et tout le tralala. Et je fais même une dédicace à vous aussi, ceux qui veulent venir me rencontrer à Pixoday. Je vous dis top générique, à tout de suite après l'image du jour. Nous voici après l'intro. Je vais vous montrer que ça se trouve dans le sac là. Il y a même ça que j'ai pas encore mis les prix. Dans ce bac là qui était par exemple le bac des intéressants, les plus intéressants. Et maintenant, il y a encore ce bac là. Et trois en dessous. Allez. Je vais vous les montrer directement. Me revoici maintenant. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a debout. Comme j'ai fait les figurines de l'an passé, il y avait aussi des Skylanders. Attendez, je vais vous les montrer de près. Voilà. Comme ça, on verra plus clair. J'ai pris une nappe au cas où, si pour reconnaître mon stand, elle est rouge. Il est rouge la nappe. Dans certains jeux, j'ai noté tous les prix au cas où. Voilà. Comme ceci et ceci. Attendez. Et j'ai même noté sur certains jeux combien ils valent sur eBay. Comme celui-ci, je l'ai mis à 30 euros. Comme je ne l'ai pas trouvé, du coup je le mets à 30. Comme ça, c'est mieux. Voilà. Si jamais ces figurines vous intéressent, je les fais à 15 euros. Ou 10 si vous voulez. Passons à la suite. Voilà, je me suis mis assis, comme ça vous verrez directement ce que je vais vendre. Je vais vendre aussi une figurine à monter de Yo-Kai Watch. Et aussi une figurine à monter de Pokémon pour 20 euros. Comme ça. Et pour ceux qui veulent monter des figurines, je vous les ferai à 20 euros. Puis nous avons les trois figurines de Street Fighter de Ryu, de Chun-Li et de Ken que je les fais à 15 euros chacun. Je vais poser là.
Ok. Il y aura aussi celui-là que je vendrai. Je vais vous montrer directement. Voilà. Voilà tout ce qu'il y a là-dedans. Que j'ai pas encore noté des prix. Il y a même ça là-dedans. Et en dessous, il y a des figurines POF que j'ai noté les prix, des Amiibo et des Infinity. Et dans les jeux, j'ai tout noté les prix. Voilà tout. Ceux qui suivent dans ma communauté, vous verrez ce que je vends. Allez, passons à la suite maintenant. Voilà. Ce que vous voyez là, c'est des figurines de Monster Hunter que je les vends. Regardez, comme on voit bien les prix, je les ai notés via sur eBay en regardant les prix et tout le tralala. Si c'est pas juste, vous me direz dans l'espace des commentaires et tout le tralala. Et désolé s'il y a des bruits dehors parce qu'il y a des travaux tout près de chez moi. Allez, à tout de suite pour le reste. Voilà, il y a encore des tas de jeux que j'ai noté les prix. Attendez, je vais faire un petit zoom avec l'appareil photo. Maintenant, j'utilise un appareil photo parce que ma caméra a rendu l'âme. S'il y a des jeux qui vous intéressent, faites une petite pause pour savoir lesquels vous voulez. Il y en aura des autres en dessous, mais comme j'ai mélangé des prix et tout le tralala, c'est pour ça que j'ai pris quelques bacs à mon oncle Luigi, enfin mon tonton Luigi. Voilà. Passons au dernier bac au cas où. Voilà. Tout ce qu'il y a là en bas, c'est des jeux et des figurines qui sont les moins chers au monde. Là, il y a des feutres et des stylos au cas où que je mettais les prix. Voilà. Et d'un côté, il y a des jeux Game Boy en loose. Pour ceux que si ça intéresse, faites-moi savoir dans l'espace des commentaires ou dans mes réservations sur via Facebook, Twitter ou Instagram. Voilà tout. Voilà. Maintenant, vous savez tout ce que je vais vendre à Pixel D. Et maintenant, je conclue cette vidéo par vous dire à samedi prochain pour la Pixel Day, mes amis bienveillants. N'oublie pas de liker et de t'abonner à Kevoslam 3.0 pour suivre ses prochaines aventures. Allez, à plus.